Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, une petite commande sur la boutique La Scraposphère. Donc j'ai profité des soldes, voilà, pour passer une petite commande, à savoir qu'il y en a pour 22 euros de tampons. Donc c'est des tampons principalement sur la boutique. Donc vous avez les tampons clear, les tampons mousse montée et les tampons mousse, non montée. Donc vous en avez pour 22 euros de produits et 4,70 € de frais de port. Donc ça reste quand même raisonnable. 4,70 €, enfin voilà, c'est très très raisonnable pour les frais de port pour chez moi. Juste petit bémol, on ne peut pas commander, on va dire, autant qu'on veut, tout simplement parce qu'à un moment donné, par rapport au poids, je pense, il n'y a plus de mode de livraison. Donc je pense que c'est en lettres suivies. Voilà, moi j'ai reçu ça en lettres suivies. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a, quand vous faites votre commande, quand vous êtes de l'île de la Réunion évidemment, quand vous faites la commande, si c'est trop lourd, vous ne pouvez plus faire expédier. Voilà. Donc il faut se limiter sur le nombre de tampons. Et c'est bien dommage parce que moi j'avais bien rempli mon petit panier. J'ai bien profité des soldes et au final j'ai dû enlever pas mal de choses pour pouvoir faire envoyer. Du coup je pense qu'il va y avoir une deuxième commande pour compléter les produits que je n'ai pas pu prendre dans la première commande, donc dans cette commande-ci. Mais du coup je pense que les soldes seront finis. Donc bon c'est dommage, voilà. Enfin après bon, c'est dommage pour moi évidemment, pas pour la boutique, parce que du coup voilà, si c'est soldé, ils sont pas une très grosse marge dessus, donc voilà. Alors, quand on reçoit les tampons, on peut choisir une option avec emballage ou sans emballage. Personnellement, j'ai choisi sans, puisque de toute façon, là, hormis le sachet zip, donc c'est dans lequel c'est arrivé, donc tous les tampons étaient dans le sachet zip. Voilà, donc ce sachet-là est parfaitement réutilisable, hein, il suffit juste d'enlever voilà, le petit flyer à l'intérieur. Hormis ce type de sachet, voilà, il y avait ces deux-là, donc c'était pour les tampons montés. Voilà, ce type de sachet-là, par contre, ça va directement à la poubelle, je n'utilise pas. Donc, voilà. Donc je choisis sans emballage, comme ça au moins, pas besoin de les jeter. Donc, c'est parti pour la commande. Déjà, vous aviez à l'intérieur donc, le petit flyers avec les informations de la boutique, le petit mot à l'arrière, c'est toujours très sympathique. Je vous mettrai donc le lien de la boutique en barre d'infos. Il y avait à l'intérieur des petits cadeaux. Voilà, donc c'était dans ce petit sachet. Donc il y en a trois. Alors ça fait toujours plaisir de recevoir des cadeaux. Parce que clairement, comme je dis, il y en a pour 22 euros. Tout était en solde, il me semble. Donc voilà. Donc il y a le petit ballon de foot. Alors ça, c'est top. Parce que j'ai pas vraiment de choses sur le thème du sport. Et j'aimerais vraiment en avoir un peu plus. Donc le petit ballon. On a une frise avec des petites étoiles. Alors si au montage je vois qu'on ne voit rien, je vous mettrai des photos. Et 2016. Alors ça, bon, on est en 2024. Pour le Project Life, etc. Ça peut être sympa. Moi je n'en fais pas, donc je vais probablement le donner à quelqu'un à qui ça pourra servir. Donc j'ai pris principalement des tampons texte. parce que voilà, c'est un peu ce qui me manque. Et principalement, on va dire sur le thème du mariage, de l'amour. Voilà. Donc celui-ci. Donc mon cœur bat pour toi pour toujours. J'essaie de vous trouver le prix. Donc j'ai payé 1,32 €. Voilà. Alors en plus il est monté sur mousse. Franchement, ça valait largement le coup. Il y a celui-ci, pardon. La clé du bonheur, c'est de vivre à tes côtés. Donc la clé du bonheur, celui-là aussi était à 1,32 €, donc celui-ci aussi est monté sur mousse, donc ça c'est vraiment top. On a celui-ci donc qui est cette histoire et la nôtre. Alors j'essaie de lire en même temps que je vous montre. Faisons d'elle un moment unique, si je ne me trompe pas. Parce que du coup le tampon étant à l'envers, on a un petit peu de mal à lire. Et vous avec le retour caméra, forcément c'est à l'endroit, donc ça tombe bien. Donc cette histoire est la nôtre, faisons d'elle un moment unique. Donc celui-ci est non monté et il coûtait 1,76 €. Voilà. Donc j'ai encore de la mousse
comme ça, donc c'est la EZ Mount, je crois. Donc je vais pouvoir les monter juste après la vidéo et les ranger ensuite. Et ensuite, donc il y avait celui-ci, il était une fois. J'aime beaucoup l'écriture, enfin la. Oui. Je sais plus comment on appelle ça. La police d'écriture. Donc ensuite, on a celui-ci pour Bonne fête maman, bonne fête papa. Alors, là, on a un tampon clear. Donc bah, là, il est à l'endroit. Donc c'est j'ai une surprise pour toi. Donc, on voit pas grand-chose. Hein. Là, tampon clear toujours. Toi plus moi égale mini-nous. Donc là, c'est pour bébé, forcément. Toujours dans le thème bébé, j'ai pris ces cercles-ci avec c'est un garçon. Et celui-ci, voilà, c'est une fille, forcément. Il fallait les deux. Voilà. Et donc pour terminer cette petite commande, j'ai pris ces tampons-ci. Donc je les ai déjà utilisés. Ce sont des boutons. Voilà, donc je me dis que bah, pour compléter un petit peu les créations, les die-cuts, etc., les tamponner sur les chutes de papier, les découper, et ça nous fait des petites décorations sympathiques. Un peu passe-partout, voilà, parce que j'ai des petits boutons. Voilà, j'ai hâte de les utiliser. Enfin, dans mes créations, parce que j'ai déjà tamponné, donc j'ai hâte de les utiliser dans mes créations. Donc voilà pour cette petite commande de soldes. Franchement, il y avait des soldes vraiment très très sympathiques. Parce que voilà, 1,32€, peut pas faire mieux sur ce genre de tampon. Voilà, donc 1,70€. Les cercles étaient à 1,50€. Voilà. Il était une fois 1,60€. Et bonne fête, 1,40€. Ce qui a coûté le plus cher, c'est les petits boutons qui, eux, étaient à 3,80€. Alors, je sais plus s'il était en solde ou pas celui-là. Mais, voilà. Donc voilà pour cette petite commande. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye!